tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo mission abonné de octobre. Donc vous allez découvrir tous les colos que j'ai reçus pour octobre. Et on se retrouve juste après pour la mission de novembre. A tout de suite. Donc voilà, vous avez pu découvrir les colos que j'ai reçus donc pour le thème d'octobre. Donc pour le nouveau thème de novembre, ça sera pour le Disney Coco. Et pour le hors Disney, ce sera automne. Et vous pouvez aussi faire du Disney automne si vous le souhaitez. Donc pour Coco, vous en avez dans musique et danse, vous en avez qu'un je crois, mais il y en a un en tout cas. Je l'ai pas passé parce que ah voilà, vous avez celui-ci donc avec Coco, voilà, vous en avez un, vous avez aussi le saison comme ça en mystère, donc lui vous avez un Coco, donc lui vers la fin
Attention, spoil, parce que si je vais montrer, je vais donner le numéro de page pour ceux qui ne veulent pas regarder. Donc vous avez page 88, Coco. Donc moi, voilà, je vous montre. Vous avez cette scène-là. Voilà. Pour l'automne, vous avez ici la Mirabelle, donc dans Encanto, le 86. Donc pour Coco, je vais avoir que ça à vous montrer. Autrement pour l'automne, bah là je viens de vous montrer Encanto. Si vous souhaitez faire de l'automne en Disney, si vous avez que des livres Disney et que vous voulez faire les deux thèmes, vous avez Mini, page 58. Voilà. Ah, dans celui-là, vous allez en avoir pas mal. Puisque il y a les saisons, donc il y a page 41, Tic et Tac. Bon, bah pour celui qui fait des coloriages arrangés, parce que c'est vrai que là les feuilles sont vertes, mais avec les glands ça fait penser à l'automne, donc vous pouvez très bien le faire aussi. Vous avez la page 35, Mulan, comme ça, avec les feuilles des arbres qui tombent. Vous avez donc celui de la couverture qui est page 27 avec Olaf. Voilà. Vous avez page 15 de Tiana, la princesse et la grenouille. Voilà. Donc dans celui-là, vous allez en trouver pas mal. Vous avez aussi dans le 4 saisons, hein, bien sûr, vous allez avoir des colos d'automne. Je sais qu'il y en a avec. Pocahontas, voilà. Celui-ci que vous avez, il me semble qu'il y en a un début, voilà, vous avez avec les petits dalmatiens, on sent un dalmatien pour l'automne. Vous avez même un comme ça, bon c'est vrai que ça fait peut-être plus Halloween. Mais bon, ça fait automne aussi, puisque vous avez les champignons, les feuilles. Donc, vous pouvez le prendre aussi. Notamment, vous avez celui-là, Olaf avec Sven, pour l'automne. Donc, voilà. Dans celui-ci, vous en avez pas mal aussi sur le thème de l'automne. Et pour le hors Disney, vous avez le carré boule de poils. Donc, lui, il en a pas mal. Donc, lui, ça va être au début du livre. Hop, vous avez déjà directement le premier. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-là aussi, avec les feuilles qui tombent par la fenêtre. Vous avez celui-ci. L'autre à côté, là où ça appuie, je vais vous présenter, mais voilà, celui-ci là. Même l'autre à côté là. Vous avez des feuilles qui voltigent. Ça peut faire l'automne. Vous avez celui-là, même celui-ci à côté. Vous avez des petits hérissons comme ça. Donc il y a vraiment de quoi faire au niveau de l'automne. Donc vous avez les champignons. Voilà. Après, vous en avez encore d'autres. Vous en avez une bonne partie. Donc celui-là, ça va être plus Halloween. Vous avez ceux-là aussi. Les deux qui sont là. Là, celui-ci, celui-ci, donc il y a vraiment de quoi faire dans le carré boule de poils. Il y a vraiment ce qu'il faut au niveau voilà, automne. Et celui-ci. Donc voilà pour ces thèmes. Donc j'espère que les thèmes vont vous plaire. Donc je récapitule. Donc pour Disney, vous pouvez, c'est Disney Coco, mais si vous n'avez pas de livre hors Disney et que vous souhaitez faire du Disney automne, bah vous avez le droit aussi de faire automne. Et pour le hors Disney, c'est le thème automne aussi. Donc voilà, donc j'espère que ces deux thèmes vont vous donner plein d'envie de faire de différents coloriages. Et autrement aussi, je voulais vous dire aussi que j'ai fait un groupe de coloriage donc sur Facebook. Donc ça s'appelle Sandra's Coloring World. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez participer. Il y a même donc le thème de la mission directement dessus. Donc vous pouvez aussi poster vos coloriages là, puis différents défis aussi que j'ai rajoutés. Donc surtout n'hésitez pas à vous y abonner si vous souhaitez faire des coloriages. Même me donner des idées de coloriages que vous souhaiteriez faire sur le groupe. Donc n'hésitez pas. Et voilà, donc moi je vous souhaite de bons colos, de bons loisirs créatifs, un bon week-end aussi, puisque
on approche sur le week-end. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec la tempête. Nous, on a eu surtout des arbres qui sont tombés. On en a un dans un champ et puis on a aussi un câble électrique qui est un petit peu descendu à cause de branches qui sont tombées dessus. Donc, mais j'arrive pas à joindre l'EDF pour ça. Et puis des caches aussi plastiques, cachés des câbles, enfin bref. Mais bon, ça a été, on s'en est pas trop mal tiré par rapport à d'autres personnes qui ont eu des plus gros dégâts. Donc j'espère que chez vous, vous n'avez pas eu trop de dégâts non plus. Et je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !